Ça chauffe à Goma, ça chauffe. La population de la ville de Goma refuse que Félix Tshisekedi arrive à Goma sans son directeur de cabinet. La population refuse que Félix arrive à Goma sans Vital Kamerhe. À Goma, c'est Vital Kamerhe ou rien. La population refuse. La jeunesse ville de Goma, la jeunesse Nord Kivu, refuse que Félix Tshisekedi arrive à Goma sans son directeur de cabinet. C'est ça Goma. Goma, la base naturelle de Vital Kamerhe, la population refuse que Félix arrive à Goma sans son directeur de cabinet. Qu'il n'arrive pas à Goma sans Vital Kamerhe. Bonjour et bienvenue bande de gros bonnes abissos partout à travers le monde. Le lot, toi et toi, tu es venu le solo, il y a Minembwe, toi et toi, tu es venu le solo, il y a Goma, toi et toi, tu es venu le solo, il y a Makambu, Félix Tshisekedi, Alobaki, Napoto. Pour ce faire, tu es venu toi, acteur politique, mogo ou yaza notable, il y a province, il y a Sud Kivu, tu es venu le solo, tu es venu le solo. Il s'agit bien sûr de Georges Milumbu que vous allez suivre en bilingue français comme Lingala. Georges Milumbu, bonjour. Bonjour. Commençons par la communication du chef de l'État, Félix Tshisekedi, dit clairement, il veut à ce que son prédécesseur ne soit pas inquiété. Vous avez toujours prôné la paix entre les deux personnalités. Comment avez-vous ressenti après avoir suivi le chef de l'État? Oui, moi je commence à admirer la sagesse du chef de l'État, Antoine Félix Tshisekedi. Vous voyez, lorsqu'il se prononce à haute voix comme ça, c'est pour interdire les militants qui disent qu'il y aura alternance jusqu'à l'arrivée de Jésus, l'IDPS va faire 300. Donc ça, c'est un message clair à l'IDPS que vous, les militants de l'IDPS, qui injuriez Kabila, donc votre opposition, elle est gratuite, elle était gratuite. Parce que lui, le président de la République, du moins, il a découvert qu'il ne pouvait pas. Donc, c'est dire que l'IDPS n'avait pas de raison de s'opposer à Kabila. Parce qu'il vient de dire que la corruption n'est pas facile à mettre fin. Or, Kabila a lutté contre la corruption de sa manière. Donc, la gestion du pays est différente de l'opposition dans la rue ou faire les parlementaires debout sous les arbres. Quand j'apprécie la sagesse du chef de l'État qui comprend que l'alternance dans ces pays, c'est une culture que nous devons préserver. Et s'il faut s'attaquer à Kabila, c'est s'attaquer directement à lui, Félix. Parce que les fautes pour lesquelles on peut reprocher Kabila, on peut les lui reprocher aussi. Donc laisser Kabila en paix, c'est la paix du président actuel, c'est la culture de l'alternance que nous sommes en train de stabiliser dans les pays. Ça, j'apprécie à juste valeur ce genre de discours, je pense. Les militants de l'IDPS vont tirer toutes les conséquences de ce discours. Mais quand Félix Tshisekedi dit que c'est difficile pour un homme ordinaire de pouvoir faire plus de 2 mandats, d'ailleurs c'est épuisant, qu'est-ce que le président veut dire? Ça veut tout simplement dire qu'il va respecter la Constitution. Donc il revient sur les paroles de Joseph Kabila qui dit que la Constitution détermine son sort. C'est-à-dire qu'il pourrait faire 2 mandats tout comme à la fin de son premier mandat ici, il pourrait ne pas se représenter ou être battu aux élections parce qu'il faut donner une nouvelle réponse politique aux Congolais. Les Congolais n'attendent pas les injures contre Kabila. Les Congolais n'attendent pas, disons, les marches. Les Congolais attendent des solutions contre la famine, ramener la paix à Minembwe. Vous comprenez ce que les Congolais attendent. Que les pays restent dans les limites laissées par Lumumba, par Laurent Désiré Kabila. C'est ce que nous attendons de l'IDPS. Si l'IDPS ne le fait pas en 2023, personne ne peut lui donner la chance de continuer. Félix Tshisekedi est à Goma, c'est lundi. Sans Vital Kamerhe, comment voyez-vous le chef de l'État devant la population gomatracienne? Comment voyez-vous le chef de l'État devant la population du Nord Kivu? Est-ce que cette population
serait en tout cas, aura même cette soif d'écouter les chefs de l'État sans Vital Kamerhe, ou encore la population veut à tout prix que le chef de l'État règle le problème de l'insécurité qui sévit dans cette partie du pays. Je sais que même lui-même, le chef de l'État, n'aura pas la même joie qu'il aurait s'il était avec Kamerhe pendant ce voyage-là. Et je pense, nous attendons que Vital Kamerhe soit acquitté comme on a acquitté Mukuna par insuffisance de preuves comme c'était le cas de Mukuna. Donc nous attendons, comme je l'ai dit, il aurait plus de joie s'il partait avec Kamerhe. Et comme il n'est pas parti, nous espérons que la fois prochaine, il ira avec Kamerhe parce que Kamerhe sera déjà acquitté comme Mukuna d'ailleurs. Un mot par rapport à la situation de Minembwe, n'est-ce pas le plan de la balkanisation de la République démocratique du Congo qui est mis en marche? C'est pourquoi j'appelle à tous les Congolais patriotes, à la manière de Laurent Désiré Kabila qui a perdu sa peau pour l'unité de Patrice Emery Lumumba, nous ne devons pas céder un seul mètre de notre terre occupé par l'étranger illégalement. Tout celui qui se veut Congolais, il n'a pas besoin de se réclamer Congolais, il a besoin d'être Congolais. Et donc, s'il y a un groupe qui se réclame des Congolais sans être, nous devons nous battre pour que cette situation, que nos enfants retrouvent la terre de nos ancêtres unis dans les limites laissées par Patrice Emery Lumumba. C'est pourquoi je dis une autre RDC est possible. Il n'y a pas de Banyamulenge Congolais. Non, ce débat, je ne peux pas y entrer. Je sais que la question de nationalité, elle est complexe. Notre histoire, tous, nous venons de quelque part. On peut y avoir les Banyamulenge congolais par naissance, par plusieurs raisons. Mais venir avoir une nationalité collective en désordre dans la brutalité après la mort des millions de Congolais, c'est là que tout Congolais consciencier ne peut pas accepter. Et même les vrais Banyamulenge ne peuvent pas accepter ça. Merci Georges. C'est moi qui vous remercie. Voilà, Milton Kapaya, merci à toute l'équipe du Canal Congo TV. Vous avez suivi à travers cette interview exclusive avec un notable, je rappelle, de la province du Sud-Kivu. Il a parlé à cœur ouvert. Merci en tout cas, on se retrouve au prochain numéro. Bye.